Bonjour, c'est dimanche matin de nouveau et on est prêt à parler sur le pouvoir au nom. Alors, la semaine passée, on a parlé du pouvoir dans le sang, mais maintenant, on va parler du pouvoir dans le nom. Et c'est important qu'on comprenne le pouvoir ou l'autorité qu'il y a dans le sang et dans le nom. Ça fait que souvent, le mot pouvoir est traduit autorité. Et quand on comprend ça, on comprend que chaque nom a une autorité ou amène une pensée, comme si que je dirais le nom ici au Nouveau-Brunswick, Irving, tout le monde pense pouvoir et argent, parce que c'est une des familles qui appartient à la plupart du Nouveau-Brunswick, presque toutes les terrains de bois qui appartiennent à toutes les compagnies et ça. Alors, tout de suite, on associe ces choses avec ce nom-là. Alors, il y a toujours des choses qui sont associées avec un nom. Et un nom sera connu quand il a fait de grandes choses. Ça fait que, j'ai fait ça déjà, j'ai parlé déjà, si tu dis le nom Wayne Gretzky, si tu connais le hockey un peu, tu connais ce nom-là. Mais je pourrais dire d'autres noms et vous ne sauriez même pas que c'est un joueur de hockey. Pourquoi ils n'ont pas fait de grandes choses? Alors, le nom de Jésus, c'est la même chose. C'est un nom qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir parce qu'il a fait de grandes choses. Alors, ici, on voit dans le livre d'Exode. C'était drôle cette semaine, je me préparais, je priais, puis ça, puis le Seigneur m'a parlé, puis il dit, je veux que tu prêches sur le pouvoir de mon nom. Je dis, OK. Et là, je m'en vais dans mes dévotions, première chose le matin, et je disais dans le livre d'Exode 20, je m'en viens au verset 7, et tu ne prendras pas tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Alors, je dis, OK, Seigneur, je comprends, tu veux, je prêche sur ça. Mais si on s'en va à ça, Exode 20, verset 7, ça dit, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Alors, souvent, on pense ça de ne pas sacrer ou pas utiliser le nom de Jésus comme enragé ou quelque chose comme ça, et on ne devrait pas. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est de ne pas utiliser le nom de l'Éternel avec puissance ou avec autorité. Et il dit, si tu n'utilises pas mon nom avec puissance ou autorité, tu vas être puni ou tu vas être jugé. Parce que je t'ai donné quelque chose de précieux et tu n'as fait rien avec. Et on sait, si on regarde la Bible, comment de fois qu'on voit qu'il donne des choses, puis là, il regarde après, qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que tu as réussi à faire avec? Si tu n'as rien fait du tout, il dit, tu es paresseux et tu n'es rien de bon au royaume. Alors, il faut que le corps de Christ, le peuple de Dieu, connaisse la puissance du nom de Jésus. On ne saura jamais comment l'utiliser proprement si on ne comprend pas la puissance. Et pourquoi il y a la puissance? Et puissance au-dessus de quoi? Qu'est-ce qu'on a puissance au-dessus avec ce nom de Jésus? Alors, ce matin, on va voir ces choses. Philippiens 2, verset 8, dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, il nous dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alors, n'importe quelle chose. Puis ce mot « au-dessus », j'ai étudié, c'est le même mot quand ce qu'il dit qu'il est, il est assis au-dessus ou au plus haut que toutes les autres, que la principalité, ces choses-là. Ça veut dire c'est au-delà. Mais c'est un mot qui est un mot de l'armée. Alors, c'est un mot qui parle de rang. Alors, il est assis ou il est, le nom de Jésus est placé au plus haut rang. Alors, pensez-y comme dans les rangs, comme dans l'armée, on va dire un général. Si un général rentre dans la bâtisse et qu'il y a un colonel là, le colonel, son rang ne veut rien dire en face du général. Comprenez-vous? Le colonel ne dit pas au général quoi faire. Non. Pourquoi? Parce que le général, son rang est au-delà de celui du colonel. Mais le colonel, si qu'il est là puis qu'il y a un nouveau, mais là, son rang veut dire quelque chose. Mais quand il y a quelqu'un au-delà, son rang ne veut rien dire du tout. Alors, ils nous disent que le nom de Jésus est au-delà ou plus haut ou
plus haut en autorité que tout nom qui est nommé. Alors le nom cancer n'a pas d'autorité au-dessus du nom de Jésus, c'est le contraire. Alors tout le pouvoir, toutes les choses qu'on associe avec le mot cancer doivent se fléchir le genou devant le nom de Jésus. Hey, c'est bon ça, hein? Ça veut dire si quelqu'un a les cancers, puis qu'on va là, puis dans le nom de Jésus, on peut chasser le cancer. Parce que le nom de Jésus est au-delà du mot ou du nom cancer. Il est au-delà du nom ou du mot diabète. Il est au-delà de tous ces mots ou tous ces noms-là. Il n'y a pas de nom nommé sur la terre ou dans le ciel ou dans la terre qui est au-delà du nom de Jésus. Le nom de Jésus est suprême autorité. Gloire à Dieu. Alors, c'est important qu'on connaisse ça. Ça veut dire que quand il nous dit de ne pas utiliser le nom de Jésus sans puissance, il veut dire, quand tu fais face à un autre nom, est-ce que tu fléchis le genou à ce nom-là ou est-ce que tu utilises le nom de Jésus pour faire fléchir le genou à ce nom-là? Woo! Comme chrétien, on devrait pouvoir aller et utiliser le nom de Jésus et avoir toute chose obéir le nom de Jésus, parce que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout. Alors, il y a des, comme je disais, il y a des choses associées avec chaque nom. Le nom de Jésus, premièrement, Jésus, ce n'est pas son nom. Son vrai nom, c'est Yeshua. Yeshua. Alors, Jésus, c'est la traduction du nom Yeshua. Yeshua est hébreu et veut dire Dieu qui sauve ou Dieu sauve. Alors, associé avec le nom de Jésus, c'est le salut, c'est être délivré, c'est la guérison, c'est toutes les choses qu'on a besoin de sont données au travers du nom de Jésus. Alors, Yeshua, ce nom, représente la guérison, représente la prospérité, représente l'amour, la joie, la paix. Toutes ces choses-là sont représentantes du nom de Jésus et toutes les choses qui sont représentantes du nom de Jésus sont données à nous au-delà de d'autres noms qui essaient d'arrêter ces choses-là. Alors, la maladie, n'importe quel nom de maladie qui a ses attributs doit fléchir le genou au nom de Jésus, gloire à Dieu. Alors, COVID, cancer, diabète, arthrite, tous ces noms doivent fléchir le genou et perdre leur force et leur propriété sous le nom de Jésus. Alors, quand on amène le nom de Jésus, les maladies s'en vont, les symptômes doivent fléchir le genou et s'en aller aussi. Gloire à Dieu, au nom de Jésus. Alors Dieu dit, si tu marches et tu fléchis le genou à ces choses-là, alors tu ne seras pas impuni quand je t'ai donné la réponse, je t'ai donné le nom de Jésus, je t'ai donné l'autorité qu'il y a dans le nom. Mais je vais aller même plus loin que ça. Ici, dans Jacques 2 et 7, ça dit, ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Que vous portez? On a été appelés par le nom de Jésus. On porte le nom de Jésus. Quand on entre dans le bâtiment, le nom de Jésus, en l'autorité qui est dans son nom, les propriétés de son nom sont en nous. On est le corps de Christ. Alors, si la tête a un nom, le corps a le même nom. On porte le nom de Jésus. Vous savez, une fois, je regardais dans le livre des Actes des Apôtres et on voit, ils prient pour un miracle et ils disent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, blablabla. Et là, on les voit un peu plus loin, au nom de Jésus. Et là, on les voit prochainement, ils rentrent dans une chambre et la fille est morte et ils disent, « Lève-toi! » Mais qu'est-ce qui s'est produit? Ils n'ont pas même dit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils n'ont pas dit dans le nom de Jésus. Je pense que, parce que c'est les mêmes apôtres, c'est Jacques qui a écrit ça, je pense que comme qu'ils marchaient, ils ont commencé à comprendre, « Hey, quand on utilise le nom de Jésus, on est appelé par ce nom-là, on a l'autorité, on peut commander. » Et la fille peut se lever des morts avec l'autorité qu'il y a dans le nom qu'on porte. On n'a pas même besoin de prononcer le nom, on a juste besoin de savoir le pouvoir qu'il y a dans le nom et savoir qu'on est appelé par ce nom et on peut parler avec autorité au-dessus des choses. Gloire à Dieu! Alors, on porte ce nom. Dans Exode, quand ça dit « tu ne prendras point », c'est aussi le mot « prendra » ou « quand on dit « on prendra son nom en vain », c'est le mot « porter », c'est « porter », c'est « amener ». Amener le nom de Jésus, « porter ». On le porte dans nous. Le nom de Jésus nous est donné. On est le corps de Christ. Vous savez, si ma tête s'appelle Jerry, mon corps s'appelle Jerry aussi. Gloire à Dieu. Ma tête n'a pas un différent nom que mon corps. Si votre tête a un différent nom que votre corps, on peut prier pour vous autres après parce qu'il y a des problèmes. Gloire à Dieu. Non, le même nom.
on est appelé par le même nom. Mais si on est le corps de Christ, on a le même nom que lui, Jésus, le nom de Jésus. On porte le nom de Jésus et l'autorité qu'il y a dans le nom. Gloire à Dieu. Je prie que ça vous aide parce que là, on s'en va dans des jours qu'on va avoir besoin de savoir le pouvoir dans le sang, on a prêché ça la semaine passée, et le pouvoir dans le nom de Jésus. Je m'en rappelle, on avait un pasteur de jeunesse, puis il emmenait une bunch de jeunes, puis s'en allait, c'était l'hiver, il était dans une van qui porte 12 ou 15 personnes, puis s'en allait, puis là, ils ont fessé une plaque de glace, puis la van a été de travers, puis dit, on voyait le camion rouler. Gros camion s'en venait, puis il allait nous frapper, puis il n'y a rien qu'on pouvait faire. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est crier le nom de Jésus. Il dit, quand je m'ai rouvri les yeux, on était dans un champ, il n'y avait pas de trace qui venait du chemin au champ. C'est comme si Dieu a juste pris, boum, puis nous a mis là. Puis le camion passait, boum. Ça nous allait tous tuer, tous les jeunes. Mais la seule chose que je pouvais, c'est crier le nom de Jésus. Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Du pouvoir au-dessus de tout, gloire à Dieu. Peut-être que ce matin, vous disiez, hey, moi, je ne suis même pas parti du corps, je n'ai jamais même donné ma vie au Seigneur, je ne comprends pas grand des choses que tu parles de, mais je veux que vous sachiez quelque chose. Le commencement de porter le nom de Jésus, le commencement de comprendre l'Évangile et ces choses-là, c'est de donner notre vie au Seigneur. Alors ce matin, dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si vous croyez que Jésus est mort et ressuscité des morts pour vos péchés, et que vous le confessez comme votre Seigneur, vous serez sauvés. Alors ce matin, j'aimerais prier avec vous autres. Si vous écoutez et que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, à matin, c'est le temps. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Pardonne-moi de mon passé, Seigneur. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour-ci jusqu'à l'éternité, Seigneur, je te suivrai dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut vous féliciter et vous dire que vous êtes maintenant partie du royaume de Dieu. Si vous êtes de la région de Moncton, venez nous voir, on est ici 9h et 11h de nos deux services. On serait fiers de vous voir. Que Dieu vous bénisse.